Welcome sur Kerbal Space Program Challenge KSC-5 Cassini-Titan. Objectif, envoyer une sonde vers Saturne et Titan sur lequel on va déposer un petit drone à hélice dans le cadre donc du challenge numéro 5 de Kerbal Space Challenge. Alors on va démarrer le jeu. Donc c'est la deuxième partie de du challenge. La dernière fois j'avais fait un live pour apprendre un peu comment fonctionnent les hélices. Ça avait pas été très probant. Donc là on va continuer. Donc ça va pas forcément être très intéressant. On va voir. J'ai pas du tout regardé de plus ce qu'il y avait. Donc on affiche pas la. Je change un petit réglage. On va changer ça tout de suite. Donc jeu vidéo. Paramètres, propriétés, fenêtres, celle-là tu vas récupérer. Voilà, c'est mieux. Donc voilà, je vais relancer la partie tout simplement et puis je vais je vais essayer d'y comprendre un peu plus, tout simplement. On va mettre un petit message dans le chat. Hop, voilà, bienvenue. Deux spectateurs a priori, dont moi. Donc, il doit y avoir un spectateur supplémentaire pour me regarder faire du Kerbal. C'est pour ça que j'ai démarré le stream avant de lancer le jeu. Je pense qu'il vaudrait peut-être mieux que je le lance le stream une fois au moins dans le menu principal, parce que c'est bon là. Tant que le jeu se charge, c'est pas forcément très intéressant. Hop. Pression sur le bouton rouge. Chargement des extensions terminé. Bah, il faut afficher le menu maintenant. Il y a quelques modes d'installer dessus quand même, donc c'est pas forcément la façon la plus optimisée de jouer. Mais bon, j'ai installé le pack énorme. J'aurais peut-être dû prendre un pack un peu plus soft. Mais bon. Bref. Va arriver dans pas longtemps. Voilà. Alors Twixkel qui m'indique un petit problème. Comment c'est parti? Charger la sauvegarde. Donc SC5 Cassini Titan. Aucun vol en cours, c'est sûr. J'en suis loin d'avoir envoyé quelque chose pour l'instant. Je trouve que l'audio est un peu fort là sur le. Réglage, volume audio, musique, voix, IU, atmosphère. On va peut-être baisser un peu l'atmosphère. Ouais, c'est mieux là. Parce que là, on m'entendra un peu mieux. Parce que le bruit du. Bon, le son du jeu là, et les oiseaux, c'est mignon. Mais il faut pas que ça couvre ma voix quand même. Donc, on va retourner voir les hélices un petit peu. J'ai fait un drone test chargé. Et puis bah, c'était pas très probant la dernière fois, donc il fallait que j'apprenne un petit peu à faire marcher ça. Alors je vais jeter ça.
Je vais jeter ça. Je vais remettre du matériel entièrement réinitialisé. On va mettre les moteurs au bout des barres là. Donc si je mets un petit nœud, non ça c'est un gros nœud, il faut un petit nœud, voilà comme ça. Tac. Alors, moteur, c'est en robotique, donc moteur électrique. Voilà. Alors là, je vais mettre 3 pales. Parce que pourquoi pas? Pourquoi pas 3 pales? Sont censés pour faire des essais. Hein, donc. Il veut pas me l'accrocher la palme. Ah si, là, il veut bien me l'accrocher. Par contre, ce que j'aimerais, c'est qu'il me l'accroche sur les tous les. Pas tout autour du moteur. Bizarre ça. C'est très bizarre. Ah oui. Ok. Là, je prends mon moteur et je le mets en plusieurs exemplaires. D'accord. Alors, première chose à faire, déjà on va supprimer de la symétrie. J'aurais peut-être pas dû le mettre symétrique en fait. Parce qu'en fait le problème c'est que si je fais ça, comme il faut que j'en mette en contrat rotatif, par exemple, alors on va dire que zut, faut que j'en mette un là. Voilà. On va dire que celui-là, alors celui-là je vais le faire tourner à l'envers. Parce que sinon je vais avoir un couple qui va me faire tourner le drone sur lui-même. Donc ça m'intéresse pas. Pas bien grande ces pales, je vais mettre des pales plus grandes, on verra mieux. Changeons les pales, on va mettre celle-là. Oh, c'est trop petit ça. Ah, ça c'est déjà tout de suite, ça va mieux. Celui-là, le moteur il tourne. Inverse la direction, direction de la rotation. Donc on va le mettre en sens anti-horaire, celui-là. Alors comment je peux changer les pales? Ok. Donc là j'en ai un qui tourne dans ce sens horaire et l'autre sens anti-horaire. Donc ça c'est parfait. Ici est le même que celui-là là-bas. D'accord. Donc ça, d'accord, ok. Je vais mettre une roue de réaction pour contrôler un peu la.
l'orientation du truc. Oh, c'est trop gros ça. Ah, elles sont sympas, ils les ont refait, les roues de réaction, c'est plus... Eh bien, les trois gyros dans les trois sens, c'est pas mal. Sympa, les petites pièces. Ok. Alors maintenant, ce que je veux, c'est... Alors, j'ai vu qu'il y avait un truc de contrôle, parce que là, bon, les trucs, ils tombent pas. Contrôleur KL1000, ça sert à piloter les hélices et tout. Alors, bon, on va en placer un. On va même en mettre deux autres ici. C'est pour faire des essais, hein, de toute façon. Supprimer de la symétrie parce que le but c'est chacun des trucs différents. Alors ouvrir l'éditeur, donc ça il faut que j'apprenne parce que j'y connais rien, alors vraiment pas grand chose. Groupe d'action. Alors, si je prends par exemple cette palle-là, qu'est-ce que je peux lui faire? Angle de déploiement, limiteur d'autorité. Activer déploiement, étendre, rétracter. Ce serait l'angle de déploiement que je veux régler. Donc sur celui-là et sur celui-là. Étendu. Alors ça, l'autre jour, j'avais vu que ça, si je mettais en rétracté, ça marche pas. Alors, donc là elles sont en drapeau, je suppose, les hélices, ça a l'air. Donc si je veux la monter, il faut que je l'incline un petit peu. Alors, comment ça marche? Je peux monter ça. Ah, ça fait sur l'autre là-bas. Là, je suis en drapeau. Là, si je fais ça, je vais descendre. Il faut des pseudos que j'aille vers le bas en fait. Donc là, je vais faire ça. Hop, je vais mettre un peu d'angle. Par contre, pour monter, je pense qu'il faut pas en mettre autant. Je pense que déjà par là, ça va peut-être déjà pas mal quoi. Moins 10. Ok. Alors c'est quoi ces boutons? Déplacer la ligne en bas, en haut, copier les valeurs, appliquer séquence de courbe prédéfinie. Cycle de phase, carré, machin. D'accord, il y a différents trucs, ok. Miroir. Aligner le point d'arrivée tangente avec le point de départ. Ouais. Limiter toutes les valeurs entre min et max. Sélectionner tous les points. Ajouter des points. Limiter les valeurs du point sectionné entre les mains. Ouh là là. Il y a du boulot, il y a du boulot, il y a du boulot. Tangente pointue ou lisse. Ok.
Coco. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah merde! Je l'ai viré. Ah la boulette. Ah oui, en bas c'est le bouton supprimer ici. Donc copier. Alors je vais pouvoir le faire coller ici. Yes. Alors du coup si je fais circuler la séquence. Bon, c'est pas mal, ça marche sur les deux. Donc. D'accord. En fait, il faut que je fasse toutes les hélices parce que... Mais il faut que je les fasse toutes en fait. Angle de déploiement, copier, coller. Bah, on a pas pris. Copier, coller. Ah. Ah oui, mais faut que je mette étendu pour que ça marche. Étendu. Alors, comme elle est à l'envers, est-ce que ça marche pareil? Non. Là, elle est à l'envers. Donc, ce qu'il faudrait, c'est que celle-là. Alors, il y a un truc de miroir, j'ai vu. C'est peut-être qu'il fallait la mettre comme ça. Yes. Miroir vertical. Donc là je vole pas. Là j'ai de la portance. Je réduis la portance avec ça en fait. Ok. On va enregistrer quand même parce que. Donc avec ça j'ai de la portance. Plus ou moins. Maintenant il faudrait que ça je l'affecte à la. Manette des gaz du joystick. Alors comment on fait ça? Groupe d'axes. Angle de déploiement. Ah j'aurais pu mettre angle de déploiement. J'aurais pu directement mettre l'angle de déploiement. Mais bon, a priori il faut utiliser ça. Donc ah. Position de lecture. Est-ce que ça serait pas ça? Alors on peut le renommer d'ailleurs, non? Ouais. Pas d'hélice. Pas hélice. On va essayer ça, voir ce que ça donne. Deux spectateurs, bienvenue à un spectateur qui passe dans le coin. Alors, il n'y a pas très jour là, on va avancer un peu dans le temps. On y verra mieux là. Alors, si je monte le... Ça fait pas grand chose. Ça peut pas marcher comme je veux. Bon, alors on va lancer le revenir au HAS.
On va pas faire ça, on va faire récupérer le vaisseau parce que comme ça il fera jour quand je ferai les essais. Comment ça marche mon bignou là? Ah mais attends. Oh j'ai mis dans tangage. Oh le boulet. Il fallait pas faire ça. C'est sur les gaz qu'il fallait que je mette position de lecture. Oh là là. La fatigue. Bon en même temps il est 1h45. Hein. Bref. Oh la fatigue. Alors si je bouge la manette dégâts. Ah yes. Donc là avec ça, je règle pas d'hélice. Ok. Donc ça c'est pas mal. Ensuite, il faudrait que je m'occupe des moteurs. Alors les moteurs, on va mettre simplement une commande pour les démarrer et les arrêter. Alors, et ça on va le mettre sur... Alors, sensation, vent arrière, gaz principaux. Personne sur 1, 2, 3, pas hélice. Alors ouais, activer moteur. Alors ce qu'on peut faire un truc. Si je prends le deuxième par exemple, ouvrir l'éditeur. Alors ici un truc, moteur. Bon, quitte à faire des trucs, autant y aller franco, quoi. Donc, moteur. Alors. On va prendre les moteurs, on va les mettre dedans. Limite de RPM. Action, frein, activer la puissance moteur. Voilà, c'est du tout ou rien quoi, c'est c'est pas terrible ça. Faudrait plutôt que je mette limite de RPM. Ah yes, ça va être pas mal. Parce que je vais pouvoir peut-être régler la vitesse ou... Si je peux par exemple les faire monter en régime. On va faire copier, coller, coller, coller. Ok. Et donc les moteurs. Par exemple en custom 1, est-ce que je pourrais pas... Par exemple, lecture. Changer inter, activer inter, désactiver, activer la lecture, activer le mode boucle, activer la direction. Alors, activer la direction, ça doit être pour changer le truc. On va essayer ça.
Cactus, la direction, c'est ça là. Direction, séquence. Là, je peux aller en avant ou en arrière ou. Longueur, c'est quoi ça? Longueur de la séquence. Ah oui, c'est le temps de. Le temps de la séquence. On va aller essayer ça. Alors, si j'appuie sur 1. Pas l'air de marcher. Revenir au HAS. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il démarre pas mon moteur? Dash trip, rotation, s'inverser, verrouiller, non. Autorisé, oui, moteur activé. Putain, il est bien activé le moteur déjà. Pourquoi il démarre pas? Alors, étage, si je mets activé, peut-être que je fasse activer le moteur par défaut. Mais non, ils sont déjà actifs, donc je comprends pas pourquoi ils démarrent pas. Activer le moteur. En plus, c'est bien activer le moteur que j'ai mis là. Ah merde. Oui, non, moteur. Limite de RPM. Custom 1. Oui, non, étage, c'est activer le moteur. Custom 1, c'est activer la direction de lecture. Jouer la séquence. Ah, mais oui, il faut peut-être jouer la séquence en fait. Ah, mais oui. Lecture pause. Ah, oui, lecture, ok. Donc celui-là, par exemple, je le mets en lecture. Ok. Donc. Frein, je peux freiner. Ah oui, d'accord, je peux freiner le moteur, la rotation du moteur si j'ai envie. Donc là, moteur limite de RPM. Et donc si je mets le custom 1, je joue la séquence. On va essayer ça. Essayons ça. Alors, donc là, si je fais ça, j'ai bien mes balles qui font ça. Et il ne se passe rien. Le moteur ne démarre pas. J'ai bien émis 2 RPM, ça c'est vrai, c'est bien. Ok, donc là je pilote bien la limite de vitesse du moteur, donc ça c'est bon. Par contre, il faudrait qu'il démarre. Ce serait pas du luxe qui démarre quand même. À un moment donné, bon, voilà quoi. Activer la puissance moteur.
Ouais, il y a activé le moteur et activé la puissance moteur. Donc ça, c'est encore autre chose. Attends, comment ça se comporte dans le bazar là? Parce que j'ai rajouté des trucs là, activer la puissance moteur. Ah, je peux rien faire d'autre que mettre un point au milieu. Qu'est-ce que je peux faire avec ça là? Activer, je peux pas faire un tout ou rien. Rajouter un point, mais bon, activer, c'est activé ou c'est pas activé là? C'est assez bizarre cette affaire. On va lancer et puis on va bien voir si ça démarre ou pas. Là, je sais pas trop comment ça marche, activer le truc. On peut pas le commander comme ça. Si je fais 1. Ça ne marche pas. Alors, il faut que je change. Donc à mon avis, c'est pas là-dedans. Ouvrir l'éditeur. Je pense que ça sert à rien. On peut rien mettre dedans, donc c'est-à-dire qu'on peut pas piloter ça avec ça. Par contre, peut-être que il faut activer la puissance. Il n'y a pas un bouton activer la puissance moteur. Il faudrait peut-être l'activer avec. Activer la puissance moteur. Activer la puissance moteur. Peut-être l'activer comme ça. Activer la puissance moteur. Activer la puissance moteur. Et je joue la séquence du truc. Position de lecture, au début il est à 0. Ok, disquette. Hop. Alors si j'appuie sur 1. Ça passe à rien. Eh mais je vais peut-être regarder ce qui se passe dedans là. Ah, j'ai l'impression qu'il marche à l'envers de ce que je veux en fait. Ouais, d'accord. Il marche exactement à l'envers de ce que je veux arriver à faire. Alors, est-ce qu'il faudrait pas que je mette. Custom 1, moteur activé, la direction. Donc ça c'est pour changer la vitesse que je veux en fait. Hein. Jouer la séquence. Merde. Ah la boulette.
moteur action, moteur champ d'axe, action. Active la direction, jouer la séquence. Pourtant, quand j'appuie sur 1, il devrait bien activer mes moteurs là. Quand il active les moteurs, c'est bizarre ça. Alors, si j'enlève les puissances des moteurs, peut-être que je mette une touche pour démarrer les moteurs et une autre pour alors par exemple en 1 si je fais activer les moteurs, activer la puissance moteur par exemple. Et en 2, je mets en 1, je mets par exemple donc activer le moteur et activer la lecture. Là, j'active la puissance et activer la direction par exemple. Ah oui, parce qu'il partait peut-être à l'envers en premier. Parce qu'au début, je suis à l'endroit, mais en fait, je commence à gauche et à l'envers. Je pense que c'est ça, à mon avis, le truc. Ok. Donc avec 1, j'active le truc et la direction. Si j'éteins, je le mets dans l'autre sens. On va essayer ça. C'est pas simple, mais bon, c'est intéressant, c'est complexe. Alors, donc là, j'ai toujours mes pales qui marchent, et là, ça tourne pas. Alors, qu'est-ce qui me fait mon truc là? Ouvre l'éditeur. Ah, mais il a pas activé la lecture. Je peux peut-être essayer de le modifier, modifier groupe d'action. Parce que si je le fais directement là, ça ira plus vite. En 1, activer là, si je fais 1. Là, il met lecture arrière, lecture avant. Ouais, mais j'ai pas mis la lecture par contre. Donc il doit falloir que je mette jouer la séquence. Ah oui, non. Activer la lecture et activer la direction. Essayez. Bon, là, il l'a mis en pause. Donc, c'est pas ça. Activer la puissance et lecture avancée par exemple. Alors, on va essayer. Et activer la lecture.
Ah oui, mais si je les ai trouvé, les moteurs, ils sont pas... On va épingler le moteur pour voir si le moteur fait quelque chose. Ah oui, limite de couple. Déjà, il y a un problème. Je suis à 100. Modifier route d'action. Ah zut, on voit plus l'état des moteurs. Bon. Relancer le vol. Revenir au lancement. Donc au départ, le limiteur de couple est à 0. Ok. Là, il est en lecture arrière. Et moi, je voudrais... Alors... En 1, je veux activer la puissance moteur. Le contrôleur machin, je veux activer la direction. Alors, je ne vais pas activer la direction, je vais le mettre en... lecture avancée. En fait, tout simplement. Donc là, si je fais 1... Mais il démarre pas. Pourquoi il avance pas? Peut-être qu'il faut jouer la séquence. Faut-il mettre la vitesse de lecture à 100%? Non. Ah, c'est pas simple. Bon, on va essayer de séparer, on va revenir au... Ah, mais si! Oh, il y en a qui ont démarré, pas l'autre. Ok, donc 1, je coupe le moteur, 2, je démarre. Bon, je pense que c'est un peu... Merde, revenir à... Je pense que c'est un peu compliqué comme ça. Ah mais déjà celui-là il est pas bon, copie. D'action. Alors moteur. Donc, rotor léger machin. Éditeur de suivi. Pourquoi pas. Moi ce que je veux quand j'appuie sur 1. Alors 1, on va mettre activer la puissance moteur et on va virer ça. En custom 2, on va mettre la lecture. Comment il s'appelle celui-là? Bouton jouer, activer, mettre en pause.
après je peux jouer à l'envers. Alors si je mets à l'envers et lecture, donc si je fais activer la direction et ça c'est jouer la séquence, voilà, il va changer la direction et jouer le truc. À chaque fois que j'appuie sur 1, sur 2 je veux dire, lancer. Ok, là il a le droit de tourner. Et si je fais 2? Ah, ok. Là il tourne. Si je refais 2, je le force à éteindre les moteurs. Et 1, je les arrête. Donc ce qu'il faudrait, c'est que en même temps que j'appuie sur 2, parce que là j'autorise les moteurs à tourner, il faudrait que j'arrive à faire en même temps, donc 1 et 2 en même temps en fait. Si je reviens au lancement, j'étais dans quel état les moteurs? J'étais moteur à l'arrêt et la lecture en butée à gauche, hein. Moteur à l'arrêt, la lecture, il est à gauche et la flèche à gauche. Ok, alors on va retourner au HAS. J'ai atteint les groupes d'action. Est-ce que je veux mettre maintenant c'est en 1, je veux activer la direction et jouer la séquence. Activer la direction, jouer la séquence. Et en 2, je veux rien. Le but c'est d'avoir le minimum de touches possible parce que j'aurai besoin de beaucoup de touches, je pense, pour régler le truc. Alors, si je regarde mes moteurs. Donc, mon moteur il est à l'arrêt. Et mon bignou. Il est comme ça. Bon, si je fais 1, d'accord, 1, je fais démarrer les moteurs. Si je refais 1, non, par contre, les moteurs s'arrêtent pas. Ils s'arrêtent pas parce que ils sont sur leur inertie. Et hey, j'ai coupé le coup. Il y a la limite de coupe que je pourrais peut-être piloter en même temps. On va essayer un truc. Donc je suis pas mal là déjà. J'arrive avec une touche à le démarrer et à couper la puissance. Alors ce que je peux peut-être faire, c'est rajouter dedans. Donc si je clique sur, par exemple sur ce moteur, donc dans le moteur, limiteur de couple, parce qu'il y a un limiteur de couple aussi dedans. Limiteur de couple, limiteur de couple, limite de couple. Copier. Coller. Oh! Ah oui, parce que. Ouais. Non. Ouais, forcément le.
le dernier point il le met plus loin, donc forcément ça va pas faire. 460, ça risque pas, le maximum c'est 100%. Voilà. Copier. Coller. 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 Et donc il fait les deux à la fois en fait. Il va monter et il va baisser le couple. Donc au début de la partie je suis à 0, en lecture avant, en marche arrière, enfin en marche arrière. Début de partie je suis comme ça. Lancé. Que je veux quand j'arrête le moteur, je voudrais quand même qu'il le freine. Il y a peut-être à y avoir un conflit avec le machin. On va voir. Si je fais 1 qui démarre, si je fais ça, je le force à s'arrêter. Et il finit voilà sur son inertie parce que. Alors maintenant, ce que je peux peut-être faire, c'est que relancer le vol, revenir au HAS. Peut-être que je n'ai plus besoin d'activer la puissance moteur, du coup. Peut-être juste activer la direction et le faire tourner. Parce que je règle le couple avec le truc. Ah ouais, on peut peut-être faire un petit truc, ouais. Ah non, c'est celui-là que je veux voir. Donc là, hop, il démarre. Il s'éteint. Voilà, et puis là les épales finissent de tourner parce qu'il n'y a plus de couple pour les piloter. Et en élec, je ne veux plus rien consommer, plus grand chose. Le engineer, je le fous par là. Il consomme 0 normalement en élec. Là, je peux redémarrer. Est-ce que je peux revenir en arrière? Ouais. Ok, donc là j'ai un démarrage progressif. Et un arrêt progressif. Hop. Là je peux pivoter les pales. Alors, il y a un truc de frein. On va voir ce que je peux pas faire. Relancer le vol, revenir au HAS. Que je voudrais pour les arrêter. J'ai vu qu'il y avait un frein sur le moteur. Alors, si je prends un moteur, merde. Groupe d'action. Moteur. C'est lequel? C'est celui-là, hein, celui des moteurs. Attends.
Ouais, c'est celui-là. Donc je clique sur un moteur. Parce que j'ai vu qu'il y avait un frein. Ah, mais c'est pas le frein. C'est un tout ou rien. J'ai pas de commande tout ou rien là-dedans pour faire un front montant. Et pourtant, je voulais bien couper le couple. Alors si, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que par exemple, la vitesse, il faudrait que ce soit un peu décalé en avant. Et je rajoute un point. Par exemple, à 1 seconde. Et que ce soit toujours à 0. Par contre, faudrait que la tangente soit l'horizontale là, parce que sinon ça peut. Oh là! Ah, on peut faire des pentes lisses ou pentues ou lisses, d'accord. Ça, j'ai un tout petit peu de couple encore pour finir de stopper la. Ah oui, d'accord, on peut faire des trucs pas mal. D'accord. Tac. Là, je rajoute un point. Ah oui, ok, mais je peux peut-être faire ça. C'est-à-dire que lui, je le mets à 0. Non, pas à 0, je le mets à 1. Et 0 ici. Par contre, je peux pas lui dire de. C'est un peu ballot ça. Alors, je te décale celui-là par contre. Est-ce que je passe en overshoot? Copier, coller. Que je fasse ça, mais que je démarre plus loin en fait. Comment je peux faire ça? Toutes les valeurs en tout. Et max.
enfin, on va rajouter un point. Le point, je le mets à 1 et la valeur, je le mets à 0. Je mets tangente comme ça. Ouais, donc là, il me les met tac, tac. Ok. En fait, si je fais ça, je mets tangente tac, en fait, il me l'aligne droit dessus. Donc, limite de RPM, je veux à 0, mais déjà au bout de 1 seconde, par exemple, sur 5. Copier, coller, coller, coller. Et je garde un peu de couple pour pouvoir stopper le moteur quand même. On va essayer ça, lancer. Hop. Et là je l'arrête. Ouais, j'ai réussi à l'arrêter. Là, hop, il démarre. Et là, je l'arrête. Donc, je peux même le mettre plus avant, en fait. Ah, je peux pas l'éditer, par contre, là. Revenir au HAS. On va essayer de diminuer un peu la... celui-là, on va l'agrandir. Oui, il veut pas que je le sélectionne ce point. Ah, mais zut, j'étais pas dessus. À 0,5 par exemple. Ok, on va lancer et on va voir ce que ça donne. Cœur, il est 2h20, 28. Donc là, je rouvre l'éditeur pour voir ce qui se passe. Je démarre. Donc là, les moteurs démarrent. Ok. Et j'éteins. Ah, ça n'a pas suffi. Continue de tourner. On va montrer ici un peu plus. 0,7. Et on l'éteint. Ouais, voilà, il tombe plus. Ouais, ça m'ennuie, j'aimerais bien qu'il soit arrêté quand même. 0,8. En fait, avec une seconde, il était pas mal, je crois. Après, je peux essayer un truc, c'est que si je le mets lui en linéaire,
qu'au démarrage. Ah oui, là je l'ai arrêté net en fait. Donc là, à mon avis, je pense que je peux revenir à 0,5. Il démarre. Et là, je l'arrête. Ah ouais, ça l'a arrêté net. Peut-être même 0,4. On va essayer si je peux mettre à 0,4. Très léger reliquat de rotation, c'est très bien. Il bouge à peine. Ça, c'est pas mal. Donc, on va copier. Ouais, enfin, donc, faut que je mette à 0,4. Pour venir au HS, de toute façon, parce que. Il faut que je refasse la modif dans le HS. Alors, oups. Validateur. Alors, donc la modif à faire c'est ici, donc 0,4. 0,42, tout petit chouïa plus. Copier, coller, coller, coller. Et là, on le met en ligne droite. Le coup. Plutôt que tangent. Et là, sans vraiment, ça marche. On va essayer. Ça semble comme... Ok. On va relancer le truc. L'éditeur, voir ce que ça donne. On démarre. Ok, ça tourne. On éteint. Voilà, c'est arrêté. Nickel. Parfait. Alors, est-ce que je peux pas relancer le vol en marche arrière? Est-ce que je peux pas lui dire d'augmenter la vitesse de lecture? Parce que j'ai vu qu'il y avait un pourcentage. Groupe d'action. Vitesse de lecture à 0 à 100%. Ouais, non, on peut pas changer la vitesse de lecture comme ça. Pas trop à quoi ça peut servir. On peut pas lui dire à 50 ou à bon. Alors maintenant on va essayer de voler. Bon, on a déjà réussi à... J'ai déjà réussi donc à faire tourner les hélices dans le bon sens, orienter les pales, démarrer et éteindre les moteurs correctement. Là, on va essayer de voir si ça vole. Donc là ça démarre. Alors on va pousser un peu le clavier pour mettre le
joystick devant moi. Bien par là. Donc là, les moteurs tournent. Ah, yes, ça vole. Par contre, j'ai du couple. Pourquoi j'ai du couple? Ça, c'est space quand même, parce que. Rotatif normalement. Ah ouais, pourquoi j'ai du couple? Ah, ça c'est étonnant ça. Ça va s'éclater au sol. Et une explosion. Ok. Ah, j'ai aucun contrôle sur le truc. Là, j'ai aucun contrôle sur le machin. Pourquoi j'ai du couple? Ça, c'est quand même bizarre. Pourquoi j'ai un couple qui fait tourner le... J'ai deux moteurs dans un sens, deux dans l'autre. Normalement, ça devrait pas faire ça. C'est space là, le truc là. Bon, le centre de masse est bien. Le centre de portance, il est où? Oh! Waouh! Pourquoi le centre de portance il est décalé comme ça? Ça c'est quand même curieux. Pourquoi j'ai le centre de portance qui est décalé là? Qu'est-ce que c'est que ce bazar là? J'ai 4 moteurs, ils sont contrarotatifs. Ces deux-là tournent dans un sens et deux-là dans l'autre. J'ai un couple de. Qu'est-ce que c'est ce truc? What the beans? Centre de portance décalé comme ça. Et en plus sur la gauche. Là, il y a un mystère, un grand mystère. Bon, je vais essayer de faire pivoter, cranter un des moteurs. Oh, bon, ça craignos. Pas la pale que je veux choper. Moteur. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar là?
Le truc est totalement symétrique, une sorte de portance complètement en vrac là. Il a craqué le truc là. En chance en tireur, ça change rien. Il s'en bat les noisettes complet. Alors par contre, pourquoi j'ai le centre de portance décalé comme ça? Alors là, mais y a rien qui peut expliquer, qui puisse expliquer cette merde. Pourquoi mon centre est décalé? Qu'est-ce qui peut bien décaler le truc comme ça? C'est pas les machins qu'il y a dessus, parce que on s'en fout quoi. Le machin est parfaitement symétrique. Ouais, mais il est jeté complet le truc là. Il est complètement jeté le machin là. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Structure. Je vais essayer d'en remettre des structures. On va essayer d'en remettre. X. On va les mettre dans les coins là. C, grand T, X, R. On va remettre quatre structures parfaitement droites. Et on va mettre à nouveau les petits bouts là au bout. Ok. Ensuite, je vais prendre les moteurs et je vais les remettre au bout des trucs. Donc lui, je vais le mettre là. Lui, je vais le mettre là. Lui, je vais le mettre là. Et lui, je vais le mettre là. Ensuite, je vais virer les barres. Et j'ai le centre de portance en vrac. C'est quand même un truc de fou, quand même. Alors, je vais essayer de le recaler. Essayer de l'aligner comme ça. On va essayer de l'aligner pareil. Pourquoi je suis pas au centre? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Je suis décalé à gauche. Alors là, il y a un mystère là. Là, il y a vraiment un grand mystère. Un truc.
ici un truc comme ça. Je sens que ça va être compliqué cette affaire là. Et celui qui reste là. On va le mettre là. On va virer celui-là. Il est revenu plus près du centre, mais enfin c'est pas ça non plus encore. Hein. Donc là c'est pareil, on va remettre la balle dans l'axe. Et lui on va lui remettre pareil. La pale qui est là-bas, dans ce sens-là. Là, il est... Bah, je suis pas centré. Hein. Il est toujours sur le côté, là-bas. Pourtant, c'est tout centré. Hein. Là, je comprends pas bien le truc, là. Là, j'avoue que je suis un peu paumé là. Oh, il manque des morceaux là. Ah oui, mais non, c'est normal. Il m'a fait des groupes normalement. Moi, je crois qu'il m'a perdu toutes les. Ah non, il démarre tous. Il n'y a plus aucun. Je comprends pas comment le centre de la portance peut décaler comme ça. Après lui, je sais pas pourquoi. L'éditeur. Ah oui, il a tout perdu lui. Ah merde. Ah oh, saloperie. Ah, je comprends pourquoi il les a virés. Angle de déploiement. Angle de déploiement. Donc celle-là, faut qu'elle monte à 10. Copier, coller et miroir comme ça. Lancer. Mais ça va être long, hein. Ça va être long à faire cette histoire. Ok, donc là j'ai bien les. Ok, donc là ça marche. Donc un, je démarre. Bon, il commence déjà à s'envoler, je comprends pas pourquoi. Parce qu'il a aucune raison de le faire. Bon, là, il se met à tourner forcément. Le truc est cintré complètement là. Je comprends pas pourquoi il est cintré d'ailleurs.
Enfin, en tout cas, ça montre que j'ai pas besoin d'avoir autant de. Supprimer de la symétrie. Supprimer de la symétrie. Essayer de regarder un peu le. Je crois que ceux-là ça a marché, les moteurs il les a pas trop cassés. J'en ai plus que deux groupes. Là c'est les horaires que j'ai gardés, donc là faut que je garde les anti-horaires. Celui-là. Ouais, donc il m'en a gardé plus qu'un, quoi. Je vais remettre tous les moteurs dans le machin en fait. Limite de RPM de couple. Limite de RPM de couple. Limite de RPM de couple. Je fais copie, coller, coller, coller. Donc ça c'est bon. Ensuite l'autre. Ah, je comprends pas pourquoi j'ai ce centrage qui est pas bon. Bah, il y en a, il lève pas. Voilà pourquoi. Ok. Il y en a qui ne lève pas, j'ai dû faire une merde en faisant mon copie-coller. Voilà l'éditeur. Il y en a qui doivent pas être bons dans le. J'ai 10, moins 10, 10,
lancer. Donc là, ça démarre. Ok. Bon, peut-être que si je rigidifie un peu le merdier. Ouais, je pense que j'ai plus de jus. Bon. Je pense que j'ai plus de jus. À mon avis, c'est que j'ai plus de jus. Alors, j'ai vu qu'il y avait des... Où est-ce que j'ai vu qu'il y avait des patins? En structure, sûrement. Bande antidérapante. Dans les pieds peut-être. Peut-être mettre un petit truc avec des petits trous ou quelque chose. Enfin, faudrait que j'ai quelque chose pour que ça. Train d'atterrissage. Le problème c'est que ça va rouler ça, donc c'est pas terrible. Chambre d'atterrissage, LT2, miniature. On va rajouter un comme ça. On va peut-être rajouter quelques batteries aussi pour faire des essais plus longs. En élec. Il va falloir que j'arrive à voler avec ça. Montage et clé, il est sorti sur des pieds. Donc ça sera peut-être plus facile de se poser un peu de traviole. Bon, voilà. Si... Après, il faudrait peut-être que je mette une zone morte aussi dans le. Donc là, hop. On décolle.
Ouais, c'est pas mal. Hop, 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 doucement, doucement, doucement la vitesse. Calmos. Calmos la vitesse. Hop là, je peux aller par là-bas. Hop là, calmos, on revient. Et on descend tranquillement. Hop, 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 hop. Là et on coupe. Hop là, on éteint les moteurs. Bon, je surveille un peu l'électricité. On va redémarrer les moteurs et on va essayer d'avancer un peu plus loin. Électricité, parce que là j'ai pas de moyen de recharger, hein, donc hop. On va vérifier à quelle vitesse tournent mes moteurs. Oh, ils tournent à 460, c'est bon. On va commencer de redescendre un petit peu. C'est pas évident à piloter, mais bon, pour l'instant j'arrive à garder une trajectoire correcte. Horizontale, un peu sur la gauche. Un 4, 1 m 07 06. Hop, en avant, repart en avant, repart en avant, repart en avant. Hop, et on pose délicatement. Hop là. Ben, mais ça me paraît pas mal cette affaire là. On a l'impression que les hélices accélèrent en fin de truc, mais en fait non, c'est pas. Ok. Et ben ça marche, ça a l'air de marcher déjà, c'est pas mal. On va essayer de voir si en équipant avec panneaux solaires. On va rajouter des panneaux solaires pour alimenter le drone. Alors, panneaux photovoltaïques. Ah, ils les ont refait, ils sont plus jolis là, les panneaux là. Ils ont des fixations plus pertinentes. Six petits panneaux solaires, on va voir si on arrive à faire tourner le truc.
3h du matin. À 3h, j'ai réussi à faire voler un drone. C'est pas mal. Après 22 heures de réveillé depuis 22 heures, j'arrive à faire tourner, à faire marcher un drone sur KSP. Je connaissais pas du tout ces trucs il y a seulement encore 3 jours. Vas-y, il saurait pas tourner vite, mais en fait, elle tourne bien à fond. C'est vraiment une... Ça tourne bien à 460 sans problème. C'est juste le rafraîchissement d'image qui fait cet effet. Ok, on va charger un peu la bébête. Alors pour l'instant, je consomme pas trop d'électricité puisque. Alors on va essayer d'y aller un peu plus violent. Hop, par en avant. 16 mètres secondes. Mets-toi sur la gauche. Train, c'est quoi? C'est celui-là, non? Non, c'est celui-là. Voilà. Je vais me rentrer le train d'atterrissage si j'ai envie. Pour l'instant, j'ai toujours de l'élec. Hein, le... Je suis chargé avec le... On va dire un poil de régime. C'est pas le régime que je baisse en fait, c'est le. Par contre, pourquoi j'ai limiteur d'autorité à 60? Ah oui, non, sur les lames de turbine, oui. Non. Pourquoi j'ai autorité à 60 sur les lames de... C'est assez étonnant, ça. Mais on va commencer à descendre un petit peu. Ça va être de contrôler le merdier. Alors déjà, il y a un truc qu'il faudrait que je fasse, c'est verrouiller la caméra. Parce que si je fais pas verrouiller la caméra, je vais trop galérer à piloter. Là, ça va aller mieux déjà. Essayer d'aller poser sur le 27 de la piste. Hop 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 hop, tourne à droite, à droite, à droite, à droite, à droite, à droite. Allez, par là-bas, par là-bas, par là-bas, par là-bas, avance. Je marche un peu toujours sur le côté là. Hop. Voilà, hop, hop, hop. Allez, on stabilise, on stabilise. On va remonter un peu en régime. Faut remonter un peu. Faut remonter un peu. On avance, on avance. Allez. Oh, je le sens bien là. Là, je sens que c'est pas mal. Là, je pense que niveau pilotage, on est pas si mal que ça quand même. Allez, le chiffre, le chiffre. On va booster un poil la patate. Allez, va devant. À droite, à droite, à droite, à droite. Allez, hop. Par en avant, par en avant, par en avant. Ah, c'est pas évident, hein. Wow, wow, wow. On remonte. On recommence. Il a toujours tendance à se barrer sur le côté là. Il m'agace. Pourquoi il fait ça là? Mais il
Reste comme ça. Pourquoi il est toujours en train de se faire du tangage, cet idiot là? Du roulis plutôt. Allez, on redescend. On va couper toute la puissance pour redescendre. Pas à droite, tu m'agaces à faire ça. Arrête de pencher sur le côté droit, gauche. Mon objectif, c'est quand même de me poser au milieu du 27. Hein. Je galère depuis tout à l'heure à... Bon, j'ai réussi à pas l'écraser, donc c'est déjà un bon point. Mais il y a encore du gros progrès à faire. Allez, non, pas sur le côté. Monte. Je veux arriver à le poser sur le 27. J'arrive pas à m'en rapprocher, c'est un truc de dingue quand même. Ah mais c'est de la folie, hein. C'est un truc de dingue. Je sais pas pourquoi j'y arrive pas. Je pense que je manque de contrôle en... Hop, allez, descend. Hop là. Ouf. Et ben j'ai raté le 27, ah, tant pis. Hein. Je pense que je manque de contrôle sur le drone. Bon. Revenir au HAS. On va essayer de faire faire quelque chose de plus compact parce que le but c'est quand même d'amener ce bazar sur Titan. Disquette. Donc on va que ça s'en partir sur le même principe. Sauf qu'il faut qu'il soit beaucoup moins gros quoi en fait. Hein. Donc on va jeter tout. Même ça, on va tout jeter. On verra après. On va repartir finalement du module de base. Ok. Donc, premièrement, faut que je mette 4 moteurs sur le côté. Alors, on va prendre des structures. Faut prendre des petites structures comme ça, là, quelque chose de très petit. Il n'a pas une finition différente là avec sans les. Non, il y a toujours les. Bon. Ça m'ennuie un peu tous ces petits accessoires qui dépassent là parce que j'aurais bien voulu le mettre. Glitcher là-dedans.
Et tout, pourquoi pas. Ensuite, je pense qu'il faut que je mette un truc comme ça. Oh, mais ça, c'est vachement gros, ça. Peut-être que j'en mette un deuxième, même, en fait. Après, pareil, il faut que je pense à le... Oui, il faut qu'il soit pliable. Donc ça va pas. Faut que je mette des charnières. Ça, c'est beaucoup trop énorme. Ouais, ça c'est énorme ça. Ouf. Bon, après j'ai Twixcale, hein. Je peux peut-être le faire marcher avec Twixcale le truc. Ah, sauf que Twixcale le prend pas. C'est un peu ballot. Est-ce qu'il prendrait celui-là, Twixcale? Non plus. Donc je peux pas faire avec les charnières. Alors ça, c'est plus petit par contre. Donc éventuellement, là, j'aurais peut-être quelque chose de... d'envisageable. Il faut qu'il rentre dans une coiffe de fusée, hein, ce bazar, et dans une capsule de descente. Hein. La coiffe, je suis pas trop inquiet, mais dans la capsule, faut que ça passe, hein, le merdier là. C'est pas rien. Hein. Je peux peut-être le mettre dessus. De 0 à 90, donc ça, ok, c'est au dépliage, il va être comme ça. Angle cible, ça va être la même, là ça va être 90, au moins 90, c'est juste une histoire de réglage, quoi. Ça c'est vraiment, ça c'est du peanut, c'est de l'ajustement, c'est bon, ça c'est facile. On va ensuite prendre ça, on décale par là et tac, ça fait un machin propre. Là, je suis pas trop inquiet là-dessus. Alors ensuite, donc là faut que je mette en structure un petit truc comme ça. En plus, attendez, parce qu'ils sont vraiment adaptés pour eux. Si je vais pas le mettre d'ailleurs sur un support dessus en plus. Et là faut que je mette le moteur. Alors, donc le moteur. On va essayer de trouver quel est le plus petit. Alors pour voir quel est le plus petit, je vais mettre une poutre derrière. C'est vraiment histoire de dire. C'est histoire de chercher quel est le plus petit moteur de la liste.
ça c'est charnière G1, c'est des plus grosses, c'est tout. Alors montant léger, j'ai ça. À mon avis ça. J'ai le même moteur, j'ai juste le rotor qui est plus petit. Rotor lourd, c'est énorme. C'est énorme. C'est beaucoup plus gros. Standard, c'est plus gros. Servo moteur rotatif. C'est pas gros ça. J'aimerais bien voir comment ça marche ce truc. Ça c'est plus gros. C'est plus gros. Turbomoteur. Ah, ça c'est pour les hélices. Angle cible. Ouais, non, ça c'est des. C'est les servomoteurs, c'est pour faire pivoter des choses. Ok. Donc c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Donc là vraiment celui qui va m'intéresser c'est celui-là. C'est le petit moteur léger comme ça. Alors le truc c'est que là. Ça fait un gros machin quand même là. Même comme ça il est balèze quoi. Taille puissance du moteur. Donc ça c'est pour lui là, ok. Sensoir, pourquoi pas. Même là, ça fait un sacré machin quand même. C'est quand même du gros matos quoi. Limite ces charnières, elles seraient presque mieux que ces supports compliqués pour les faut les fixer dessus. Parce que là, faut y foutre ça au bout. Parce que là, il passe, il fait bon diamètre, mais ça fait un énorme truc. Ça fait un énorme truc. Et je suis pas fan de ce truc énorme en fait. Alors pas du tout quoi. Ça manque un petit moteur avec un rotor, un stator, je veux dire, un peu plus petit. D'attache, partir sur un triple, quadruple, sextuple, 6 et 8. Ça manque 5 et 7. C'est tout petit ça. Ouais non mais moi il faut des lames de turbine soufflante, des polycoptères. Ah j'ai des trucs polycoptères. Voilà c'est vraiment du grand. Ouais ça c'est du géant ça. Beaucoup d'un petit volume. Ça c'est peut-être pas mal. Bon ça c'est ridiculement petit. Les R12.
Même l'R12, elle est pas terrible, je trouve. Il veut pas me l'attacher au point d'accroche. Pas me la mettre celle-là. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Il m'apprenait bien tout à l'heure là. Oh, il me fatigue ce machin là. Oh, attends, on va poser le moteur là. Et il a vraiment décidé. Là, il a décidé de m'emmerder là. Je sais pas ce qu'il veut, mais je comprends pas. Il veut pas poser ce foutu moteur. C'est pas compliqué d'aller foutre une lame sur. Ah! Aïe, ah, putain, la galère, hein. Ouais, mais là c'est trop grand. C'est pas là, c'est monstrueusement énorme. Des pales plus petites. Et celle-là, celle-là serait pas mal. Ah. Bon, faut pointer sur celui derrière pour que ça marche, mais c'est n'importe quoi. Ça, c'est pas mal comme petite hélice. Donc ça, je le fous là. Ça fait un peu montage à n'importe comment. Enfin, ça fait pas. Je suis pas fan de ce. Ok, là je fais ça, maintenant si l'angle je remets à 0, je glitch dedans. Moi je peux le ranger comme ça. C'est pas non plus une. On peut faire ça pour le ranger. Une fois que j'arriverai sur place, hop, je l'ouvre à plat. Donc, il y a moyen de ranger le drone proprement. Une coiffe, c'est pas trop grand. Voilà quoi. On va peut-être même les mettre sur le côté finalement. C'est aussi une autre option. Parce que là ça passerait là comme ça. Ça serait pas mal en fait. En fait, faut le jarter de la symétrie. Et là l'angle cible en fait c'est. Bah, il est l'inverse, il porte 0, il va attaquer. Éventuellement là, je tiens un truc pas mal là, je pense. Je pense que là je tiens un truc pas mal.
peux pas sélectionner plusieurs trucs à la fois. Non. C'est soit lui, soit lui. Ouais, si je déplace celui-là, l'autre sera pas en face. Donc bon, c'est un peu compliqué. Faire un truc propre. Après, comme j'y suffit d'en faire un et puis je mets l'autre en symétrie. En fait, faut que je le mette en symétrie, que je le place. En fait, c'est ça, faut que je le mette en symétrie exactement. Je le. Ah, d'ailleurs, il l'a mis comme il faut. Ah ouais, mais d'accord, je vois ce qu'il fait comme merde. Je vois où est le problème en fait. Déplacer. Tac. Voilà, puis une fois qu'il est placé, ben par exemple, je définis que supprimer de la symétrie, ça celui-là. Il va là. Celui-là. Il va là. Et celui-là, l'angle, c'est pas 90, c'est moins 90. Voilà. Et après, faut que je regarde est-ce qu'il a gardé la symétrie. Non, il a bien séparé tous les. Donc là, on tient un truc plutôt pas mal, ma foi. Ensuite, j'ai presque envie de mettre un truc double longueur en fait. Parce que je pourrais en mettre un autre machin comme ça derrière. Je vais réfléchir à ça, mettre un truc deux fois plus long. Comment décondenser dans capsule? Je me tâte en foutre un autre en ligne comme ça. Ça fait un sacré drone, hein, mais. Pourquoi pas? Inverser. Parce que là, du coup, celui-là, je pourrais le mettre devant là et l'autre là-bas en symétrie. Ça pourrait être peut-être pas mal en fait, ça. Et en plus, c'est que si je fais ça comme ça va me permettre peut-être de recopier celui-là. Mais il faudrait pas que ce soit lui la pièce de base en fait du vaisseau, du coup. Faut que ça marche. Est-ce que je peux pas recopier le truc là?
Il arrive à le tourner dans le bon sens, ce truc, ou non? Bon, parce que là, je suis pas mal placé, là. Donc ça, je le vire. Ça fait un gros drone. Après, j'ai pas grand chose d'autre qui peut me faire. Si je sais que ce châssis est quand même pas mal pour faire un drone, c'est qu'il est quand même bien, bien, vraiment bien foutu. La difficulté de toute façon ça va être de faire un truc ultra compact. Et là déjà ça me paraît vraiment trop grand en fait. Ça me paraît vraiment trop grand en fait. En fait c'est beaucoup trop grand. Là, je suis pas mal. Par contre, je suis pas forcément à la même hauteur. Alors, ça serait bien que je sois bien centré quand même. Parce que là, je suis pas mal hein, pour plier les hélices et tout. Là, je suis bon. Ça glitch un peu là. Là, faut que j'y arrange. Mais ça, c'est presque un petit détail. En fait, il suffit que je remonte un peu ça. Je remonte ça à ras du truc là, donc là je vais être au-dessus sans problème. Là faut remonter pareil à ras comme ça là. Là je suis pas mal. Donc là je glitch pas, les hélices elles touchent pas le. Donc ça c'est bon. Donc on pourrait partir là-dessus. Ça par contre faut que je décale le plus possible en avant. C'est que ce truc c'est pas terrible quand même là, c'est une espèce de truc rond là, je suis pas fan. Qu'est-ce que je pourrais mettre là pour cacher un peu la misère là? Ici ça ressemble à rien ça. C'est vraiment pas beau. Après il y a les réservoirs. Ça ressemble à rien. Il n'y a pas des demi-ronds là en réservoir. C'est quoi ça? Ah les réservoirs, ils ont mis des trucs plus propres là. Ah ouais, les attaches sont meilleures là. C'est quand même beaucoup plus joli. Grande baie de stockage, petite baie de stockage. Ça c'est trop des machins, c'est beaucoup trop trop beaucoup trop gros. Conteneur exigeant, c'est trop gros. Est-ce que dans l'aérodynamique, j'aurais pas des trucs qui pourraient faire office de cache? Coiffe toute petite, là, genre des trucs comme ça, ça serait peut-être pas moche. Ça. Dans ce cas, c'est que j'arrive à la foutre sur le. Sur l'arrière du machin. Il n'y a pas une touche qui permettrait de l'accrocher à l'intérieur là. Je sais pas comment on fait. Il veut pas me mettre dedans. Ouais, enfin si, je sais comment on va faire. Faut que je le décale. Ah mais si je le décale, ça va tout me foutre en l'air. Quoi, peut-être pas.
Ah si, ça me foutre en l'air. Ah, puis il accepte même pas. Chouette. Ça, ouais. Ah si, il le prend. Ah, ça pourrait être pas mal ça. Ouais, si je replace les autres derrière, hein. Puis voilà. Déplacer. Ah, est-ce que là je peux faire un truc plus propre là? Me recule un peu, genre tac. Là, ça fait déjà quelque chose d'un peu plus. Un peu moins glitché, un peu moins crade, quoi. Déjà, ça a une meilleure gueule. Hein. Ça fait un carénage. Ça, c'est pas mal. J'aime bien celui-là. Donc, ça, on va le jeter. Et je vais recopier celui-là, donc, ce qui me plaît. Ici. Alors, on va remonter ça là. Qu'on est pas mal là. Là, je dirais qu'on est plutôt pas mal. Alors, par contre, ce qui est fort, c'est que là, il me l'a mis comme il faut. Il me l'a mis comme il faut là et pas là. Genre, il avait envie de m'emmerder, quoi. Là, il m'a mis les deux à l'envers, par exemple. C'est vraiment histoire de me. Voilà. On va essayer de recopier celui-là maintenant, parce que celui-là, il s'est bien copié. Ah, celui-là, il s'est bien copié maintenant. Bon. Ah, les mystères de l'informatique. Bref. On va le mettre plus par là possible, on va le remonter. Voilà, comme ça. Ok. Alors. On va mettre déjà un truc pour les mettre à l'horizontale. Donc pour les mettre à l'horizontale, il faut un petit module comme celui-là. C'est gros, c'est énorme. C'est vraiment un truc énorme ce truc. T'aurais pu faire un truc quand même vachement plus petit, ça aurait été quand même sympa. C'est vraiment du gros matos quoi. Alors faut peut-être le mettre sous le châssis parce que là ou à l'arrière et à l'avant. X. C. J'avoue que ça m'agaçouille un peu ce machin derrière là.
Alors, ouvrir l'éditeur. Donc. Groupe d'action. Donc là, je suis dans lui, donc ça. Ah oui, alors celui-là, faut que je supprime la symétrie. Ah, peut-être pas. Ah, j'ai peut-être fait une connerie là. Il marche là en symétrie, donc c'est bon. Ok, il marche. Donc là, supprimer de la symétrie par contre. Ouvrir l'éditeur. Donc celui-là, on va le consacrer à. Donc faut aller dans les groupes d'action. On va le nommer des déploiements. Donc le déploiement, ça va consister à comment je vais faire ça? En fait, il va marcher qu'une fois celui-là. Hein. Je vais arriver, je vais l'ouvrir. Il va s'ouvrir. Et puis c'est tout, quoi. Enfin, ça va être vraiment. Il va s'ouvrir qu'une seule fois et puis c'est tout. Donc. Angle cible. Angle cible. Donc la charnière de base part de 90. Et là, ça consiste à s'ouvrir en fait, tout simplement. Ah tiens, j'ai pas essayé un truc. Est-ce que lui, je peux pas le mettre, faire démarrer à, par exemple, 2 secondes. Ah non, le premier, je peux pas le faire à 2 secondes. Par contre, mes hélices, mes pales sont trop proches là. Ça, si je fais ça, ça va se taper l'un dans l'autre. Là, ils sont trop près, mes trucs. Là, ça va pas. Ah là 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 là, la poisse. La poisse, c'est trop petit. Comment je peux faire ça? Parce que là, elle se tape de l'une dans l'autre les pales, ça va pas. Ça m'agace ce truc qu'ils ont mis devant en fait là. Ils auraient pas mis ça là, je pouvais mettre ma charnière et puis j'étais peinard. Ils ont rajouté ce truc sur le truc du rover là, c'est pas fait pour m'arranger en fait. Hein. Là vous avez déconné là. Là si je prends le moteur. On va le tourner cranté, tac. Voilà, c'est clair que là, ça c'est pas bon. Je peux difficilement le mettre plus en arrière. Là, on va le décranter par contre. Là, c'est en dehors de la truc là. En dehors de la plaque, ça fait dégueulasse quoi.
lui, si je veux qu'il touche pas, faut qu'il soit au moins par là, quoi. Là, ce qui rentre dans dans le truc ici. Donc ça me plaît pas. Ça ne me plaît pas du tout. Alors après, y a aussi cet outil-là, hein, quand même, hein. Faut pas que je le néglige, hein. Dû mettre une micro coiffe sur le bout des hélices aussi, ça aurait été sympa. Minuscule. Surtout qu'en plus, je crois qu'elle est faite pour aller là-dessus, quoi. Ouais, voilà. En plus, elle est faite pour aller plus dessus, donc. Autant la mettre, hein, quand même. Ça fait plus classe. Donc d'abord, je peux déplier mes machins. C'est les limites d'axe, d'accord. Ok. Ensuite. Sens anti-horaire. En plus, ça tombe bien parce que ça les fait en symétrie. Ah, par contre, il m'a mis les pales. Il m'a mis les pales à l'envers, j'y crois pas. Oh non, il me les a mis à l'envers. Ouais, mais je peux les retourner en les crantant. Je vais pouvoir les remettre à l'endroit. Il faut que je la mette. Comme ça. Heureusement, on a les outils qu'il faut pour faire ça proprement. Quelle est la pale là? Moi j'ai pas la pale ici. Qu'est-ce qu'il m'a fait de ma pale? Il me dit où il a mis ma pale. Tête de nœud. Ah non. Il m'a niaqué mon moteur. Pourquoi il me fait ça? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah mais putain, c'est la symétrie qui fout la merde en fait. Waouh, mais d'accord.
Ah, il faut plus que je sois symétrique derrière le truc. Ah merde, il aime pas, il aime pas. Ouais, mais je retrouve que tout est pas l'individuel derrière. C'est bien la poisse. Yo, William 12386. Bienvenue sur ce petit live à 4h du matin, KSP. Je suis en train d'essayer de fabriquer un drone. Et je galère un peu. Un peu. C'est un bien grand mot, un peu. Ah, je vais recommencer autrement. Est-ce que je pourrais pas tourner ça? Non. C'est pas terrible ces charnières, c'est vraiment trop. Même celles-là, elles sont trop grandes. Faudrait les mettre en plus petit. Je vais activer le rodatage pour y voir 3h55. Ouais. Faut que j'arrive à faire à un truc propre, parfaitement identique sur les quatre moteurs là. Et les pièces d'origine du jeu sont nulles pour faire ça. Il n'y a pas assez de pièces, il n'y a pas assez de. C'est pas la joie, quoi. Il n'y a rien d'extraordinaire et. Et je suis vraiment pas fan de ce truc. Bon, si je mets là, je peux plus l'accrocher sur le point qui est dedans, forcément, puisqu'il est pris. Ah, après, il y aurait peut-être un truc comme ça. On va essayer ça. Déplacer. Ok. On peut essayer un truc comme ça. Donc là, je prends ensuite. Parce que là, ils vont pas, mes moteurs, ça a tout foutu en l'air là. Donc on va les jeter. Ah non! Supprimer de la symétrie, voilà. On va jeter ça. On va jeter ça. On va jeter ça. On va jeter ça. Ensuite, on va retourner dans les robots. On va mettre. Donc là, il devrait me l'accepter normalement là. X. Ah, il veut pas. Alors, il veut pas, mais il y a une technique. Ah mais non. Mais non, ça va pas aller. Il faudrait que je puisse l'attacher là, là. Peut-être qu'il me l'accepte en fait.
pourquoi il veut pas me prendre dans la tâche là, je sais pas pourquoi. J'avoue que c'est un peu agaçant. Je sais qu'il y avait une touche pour forcer l'accroche sur un nœud à l'intérieur, mais je ne sais plus ce que c'est, si elle existe. R, symétrie radiale, non, c'est pas ça. Symétrie miroir. T, G. Ah, j'arrive pas à l'attacher à la mini coiffe là. Comment je vais faire ça? Comment est-ce que je vais bien pouvoir fixer ça là-dessus? Est-ce que je peux pas y mettre par exemple, je sais pas, une batterie ou une petite batterie? C'est énorme. Parce que là, TwixScale, il marche sur cela. À condition de trouver quel bon diamètre quoi, qui va bien, mais à la rigueur, que si après je fais ça et que je descends ça par là, là ensuite il va m'accepter le moteur dessus. Donc là je retourne dans les robots, je vais tenter de mettre mon moteur par-dessus, voilà. Ici, on va mettre double ou triple. Ouais, double, je pense que ça suffira. C'est sur Titan, il n'y a pas besoin d'une portance de déglingo quand même pour que ça vole. Et là, on met celle-là. Et alors, pour que ça chope, la chope, il faut la mettre vers l'arrière. Tout à l'heure j'ai galéré pour mettre la pale sur le truc. C'est vraiment pas facile de le choper. Il veut pas me choper le point d'accroche. Je comprends pas pourquoi. Là, il est censé me l'accrocher sur le moteur quand même, hein, la pale. Hein. C'est quand même un truc de fou. J'arrive pas à l'accrocher, je comprends pas pourquoi il me l'accroche pas. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire là, je pige pas là. Ah, je vais essayer de mettre la micro-coiffe dessus là. Allez, l'accrocher. Peut-être qu'avec ça, j'arrive à accrocher la pale. Mais visiblement, il a décidé de m'emmerder. C'est dingue, hein? Pourquoi il veut pas me l'accrocher, ma pale? Je comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi il veut pas me l'accrocher.
Aïe 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 aïe. Bon, si j'en prends une autre, est-ce qu'il veut? Ouais, il est pas mieux. Il a pas envie mieux là. C'est vraiment bon. Je comprends pas pourquoi il la veut pas. Qu'est-ce qui l'empêche de choper cette balle là-dessus? Alors, si je mets 3 nœud d'attache, est-ce que ça lui va mieux des fois? Ah, 3, il a réussi à l'accrocher. Non. Ah, mais oui, parce qu'il l'a mis en. Mais il y arrive avec 3. Ah, c'est qu'il va y avoir un bug, je parie. Ah oui, ça sent le bug en fait. Ça sent le bug qu'avec deux pales on peut pas l'attacher. Oh non. Ah ça c'est la merdouille ça. Pourquoi avec deux pales je peux pas attacher mon truc là? Est-ce qu'il acceptera un quadruple? Ah, un quadruple, il le prend. Pas forcément évident, mais il y a un angle où il le prend, un quadruple. Bon, après, il suffit de faire supprimer de la symétrie. Supprimer de la symétrie. Puis voilà. Hein. Si c'est que ça pour la réussir à faire un truc simple, on va faire comme ça. Hein. Après tout, on va pas chipoter. Hein. S'il y a que ça pour lui faire plaisir. Bon, maintenant ce que je veux c'est recopier ça de l'autre côté. Donc, je mets deux supports. J'emmène de l'autre côté. Hop. Ok. Ah, par contre, il m'a mis les pales à l'envers sur ceux-là. Mais ouais, je sais comment je vais faire. Donc là, je fais supprimer de la symétrie. Ça, je les jarte. Voilà. Donc celui-là, je le jarte. Et lui, je le recopie pas en symétrie, je le mets juste dupliqué. Voilà, comme ça j'ai 4 moteurs indépendants, totalement indépendants ici au moins. Et là je mets la pale en sens anti-horaire. Et là, je mets la pale en sens anti-horaire.
là le moteur il va tourner en sens anti-horaire et le moteur ici va tourner en sens anti-horaire. Voilà. Donc là j'ai mon drone déplié avec les quatre moteurs. Donc là, faut que je sépare de la symétrie aussi ça et ça. Parce que là, faut que je referme l'angle à 90. Là, au contraire, faut que je mette à moins 90. Donc là, l'angle il est à plus 90. Et là, l'angle il est à 90. Ok. Ça c'est fait. Alors maintenant celui-là, voilà l'éditeur. Donc faut aller dans les groupes d'action. Voilà. Angle cible. Angle cible. Angle cible. Ok. Alors, donc, il y en a une qui marche correctement. Ah, mais attends, c'est que celle-là, angle cible. Ah oui, elle commence à moins 90 celle-là. Elle est renommée là, les limites d'angle. Ah, pourtant elle est bien à moins 90, pourquoi elle part à... Pourquoi il bouge pas celui-là? Fait plus partie de la symétrie pourtant celui-là. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Là, il part de moins 90 et au bout il s'en est arrivé à 0. Bon, supprimer, supprimer, supprimer. Bon. Oula, mais oui, d'accord, je crois que ah merde. Ah, en fait, j'en avais plusieurs dedans. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé là? Ils étaient superposés n'importe comment là. D'accord, ouais, donc il y avait une merdouille qui s'était mise dedans. J'avais pas fait gaffe. Angle cible. Angle cible. Angle cible. Ok. Ouais, ça avait merdouillé, c'est un peu. Donc, charnière, la première, elle doit être au début, ici. Et ça ne marche pas. Celle-là, elle doit être au début, là-haut.
Oh, c'est pourquoi il fait que 90, il est censé faire 180 lui. Il délire le machin de l'angle là. Pourquoi il fait ça? Il y en a deux qui marchent et d'autres qui marchent pas. Il marche bien celui-là. Il marche tous les quatre sauf celui-ci. Chouette. Qu'est-ce que je lui ai fait pour qu'il marche pas lui? 90, 90. Limite dingue, moins 90, 90. Bon alors. Ouah, mais qu'est-ce que c'est que ce truc là? Il y est combien de fois dedans? J'ai l'impression qu'il me le pilote quand même. Ouais, il y a un truc qui va pas là. À mon avis, il avait gardé une histoire, il avait gardé un truc avec la symétrie qui a foutu la merde. Donc là, je prends ça dans déploiement, je vais dans angle cible. Angle cible. Angle cible. Angle cible. Ok. Donc le premier, je vais au début, il est en haut. Le deuxième, au début, il est en haut. Le troisième, il est là. Le quatrième, il est là. 90, 90, 90, 90. Ah non, le dernier, il est pas là, il est là. C'est bizarre, j'en ai trois dans un sens et un seul dans l'autre. Ok. Alors, on va mettre un générateur électrique. Électricité. Combien il contient celui-là en élec? 207 et quelques. Ok. Solaire, les piles à combustible, le RTG, il est là. Alors le RTG, pense que je vais le mettre à l'arrière, au centre, qui sera pas mal. Il est plus joli qu'avant. Sachant qu'il faut que je prévoie quand même des pieds pour que le truc puisse se poser proprement. Donc sol. Alors, je pense que je vais mettre peut-être des patins ou je sais pas ce que je vais mettre. Ok. Donc ça c'est pour le déployer. Ensuite, celui-là,
je pense qu'il peut rester là. Celui-ci va servir par exemple au... déploiement. Alors celui-ci va servir notamment au... on va fermer lui. Alors lui, on va faire moteur. Marche, démarrage moteur. Moteur. Alors pour les moteurs, donc j'ai dit qu'il fallait que je rajoute chacun des moteurs. Alors oui, déjà celui-là il va tourner anti-horaire. Horaire. Ah si, c'est bon, j'avais fait. Horaire. Anti-horaire. Je croyais que j'avais pas fait, mais si, je l'ai fait. Donc limite de RPM et de couple. RPM couple. RPM couple. Et RPM couple. Alors comme j'avais déjà testé tout à l'heure, je sais exactement ce qu'il faut que je fasse. Donc limite de RPM. Je rajoute un point que je mets à 0,75. Non, 0,42. Et valeur 0. Et la dernière valeur, elle est en haut. Et c'est du droit comme ça. Voilà. Donc la copie limite de RPM. Limite de RPM. 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 L'autre, on est en limite de couple. Donc là, on est droit. Tout simplement. Copier. Coller. 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 Alors, en début, je suis à gauche. Je suis en lecture arrière. Et puis voilà. Alors, donc lui, le déploiement, je pense que je vais pas le faire avec une touche parce que j'ai aucun intérêt à le faire avec une touche. On verra si je mets une touche ou pas. Quoi qu'après, pourquoi pas, de toute façon, il revient, je ferai jamais revenir en arrière. Lui par exemple, ben, ça sera lecture avancée. Ou activer la lecture en fait. Enfin, si c'est lecture avancée et activée. Comme ça, je suis sûr qu'il va que dans un sens. Et il est à 0. Ok. Ensuite, donc ça c'est pour démarrer les moteurs. Ensuite, il m'en faut un pour contrôler les pales. Donc il me faut un autre machin comme ça. Robotique. Alors pour contrôler les pales, on va le mettre à l'avant par exemple. On va trouver un coin par ici. Ah, ils sont tous à l'envers, on va les mettre à l'endroit, ce sera mieux quand même. C'est... l'éditeur.
groupe d'action. Donc les pales, c'est angle de déploiement, angle de déploiement, angle de déploiement, angle de déploiement. Ah oui, puis il faut qu'elle soit directement étendue. Sinon, ça marche pas. Voilà. Donc celle-là, faut qu'elle aille en négatif. Donc, on va mettre moins 8 parce que j'ai l'impression que 10 c'était un peu beaucoup. Donc celle-là, à mon avis, ça va être plus 8. Ça copier coller copier coller fonction je règle hop yes et celui-là il est sur la manette des gaz. Position de lecture. Normalement inversé en fonction. Ouais. J'avais une autre icône avant sur le truc là. C'est ce qui me met pas. Plus icône. Ok. Allez, on va essayer de faire tourner ce bazar, voir ce que ça donne. 4h30 minutes. Ça fait un moment que je suis en live déjà. Je suis en live depuis. Depuis 3, plus de 3 heures. Ça fait 3 heures que je suis en live. Pas mal. Alors. Donc là j'ai bien la commande pour les trucs, ok. Ah oui mince, j'ai oublié de mettre une commande pour démarrer les moteurs. Custom One. Or, je peux le mettre sur les freins par exemple, activer et démarrer les moteurs. C'est celui-là les moteurs. Ouais, c'est celui-là les moteurs. Donc les moteurs, j'avais. Ah, c'est pour lecture avancée. Non. Les moteurs, on pourrait mettre sur les freins. Ah oui, non, parce que si je fais ça, il va me les démarrer si j'appuie sur le frein par erreur. C'est clairement pas un bon plan. Faut que je le mette sur un. Sur un bouton à part. Donc je dois choisir activer la direction et activer la lecture. Et celui-là, la position est à 0. Et alors, quand je vais déployer, il y a aussi ça, ou peut-être le frein. Activation verrouillée. Je sais pas ce que c'est ça, activation verrouillée. Ah, peut-être le verrouiller pour le lancer.
Bon, on va déjà tester comme ça. Donc un pour le déployer, deux pour le les faire démarrer les moteurs. On va essayer ça. On va essayer ça. Alors, donc voilà mon petit truc, il est là. Donc la manette dégage, je peux bien orienter les hélices, c'est bon. 1. Donc voilà, quand il arrivera sur Titan, il va se déployer. Et il ne fera que se déployer. Alors, je pourrais appuyer sur 1 et maintenant, une fois qu'il est déployé, il ne se refermera plus. Il n'y a que si je vais là que ça va le faire, mais c'est pas l'objectif. Là j'ai bien la manette des gaz qui marche. Si je fais 2, je démarre bien mes petits moteurs. Si je fais 2, je les arrête. Ben voilà. Parfait. Ok. Alors maintenant ce qu'il faut c'est que... Alors celui-là on va le mettre ouvert. On va le faire marcher avec. Oh, non, parce que j'ai le. Non, on va pas. Non, non, on va le laisser. Hein. On va le laisser comme ça. Lui il va lui falloir plus d'électricité que ça, parce que là avec ça il va pas aller. Alors déjà faut qu'il ait des pieds pour se poser. Alors les pieds, il y a des patins, j'ai vu là, c'est pas mal des patins. Parce que les petits pieds là, j'ai craint que ça soit un peu gros quand même. Même ça là c'est balèze quoi. Même rétracté. Oh, après ça passe hein, c'est pas très grand en même temps. Bon, après le truc c'est qu'il faut pas que ça glitche avec ça quoi. Ça passe. Ah mais non. Ouais, si ça passe, ric-rac. Ça passe, ric-rac. R. X. Il suffit de descendre le truc un peu vers le bas quoi. Mais bon, les pieds ça fait vraiment serré quoi. Ça va faire deux pieds à ras du bord. C'est ça va pas. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme pied? Là j'ai ces bandes antidérapantes, ça peut être pas mal ça. C'est pour faire les robots normalement ces trucs là. Avec des points d'emport, hein, des trucs un peu d'avion. De... Un petit point d'emport, peut-être pas mal. Pylône structurelle, ça c'est trop lourd. Dans les ailes à voir. Dans l'aérodynamique. Oui, dans l'aérodynamique. Hein. Enfin, pas des ailerons, faut des petites structures d'ailes.
connecteur Dell, connecteur Dell. Là, c'est que ça, c'est des grandes, grandes pièces. D'ailleurs, des petites pièces. Et le vent, le vent, le vent, non. Rampère. Ça c'est des élevons, j'en veux pas. J'ai pas des petits connecteurs d'ailes minuscules. Ça manque ça. Ouais, mais c'est gigantesque ces pièces là. Tu mesures de l'arrière, j'ai dans les coups, c'est du gros machin ça. Ah, j'aurais peut-être une astuce avec ça. Là, j'ai peut-être un truc. Je tiens peut-être un truc là. Genre je fais ça. Je mets ensuite un patin dessous que j'ai vu dans je sais plus quoi. Atterrissage sûrement ça doit être. Non. Dans quoi c'est? Ah, en antidérapante.
Pourquoi pas? Ah, faudrait qu'il s'ouvre plus, hein, bien sûr. Typiquement celui-là, faudrait que l'angle d'ouverture soit... au moins 45. Oh, 35, c'est un bon plan. Oups. Ah merde. Ok. Donc là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que celui-là, je le recopie. De ce côté. Ce qui surtout qu'il faut que je regarde, c'est que celui-là. Voilà. Donc lui, il est au milieu. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que celui-là, je le décale. Décranté par là pour l'instant, celui-là où je le mette à l'intérieur du pied. Ok. Donc ça c'est celui-là qui l'a. Ça c'est celui-là qui l'a. Donc celui-là je le jarte. Celui-là il me sert plus à rien. Et ensuite il faut que je décale les deux faux pieds. Ah, bonjour Corentin. Petit coucou du fin fond de mon insomnie. Ouais, moi aussi j'ai fait, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Et je vais pas tarder à y aller d'ailleurs. Je suis en train de faire un petit drone pour aller visiter un satellite avec une atmosphère dense. Et il y a 4 jours, je connaissais rien aux hélices sur KSP. Donc là, c'est vraiment du de l'apprentissage. C'est pas simple. Pas simple, pas simple.
pas bien grand ces pieds là. Mais bon, pourquoi pas. Ça peut être rangé comme ça, mais du coup l'autre peut pas être rangé parce que ça glitch. Donc ça va pas le faire. Parce qu'après celui-là, du coup, je peux plus le plier. Paf! Ça va pas. Ah, faut déjà un pied qui soit arrondi avec un rond comme ça à l'attaque pour dire s'encastrer sous l'autre. Mais bon, ce genre de pièce on n'a pas. Donc ça va pas. Mon concept de pied ne marche pas. Il va falloir que je fasse d'une autre façon. Alors, une autre option, c'est... le mettre en miroir. Ou dans ce sens, effectivement. Je pourrais peut-être mettre les pieds dans ce sens-là. Ça serait peut-être pas une mauvaise idée, d'ailleurs. Parce qu'en plus, je peux le mettre les autres en face facile, quoi. Je sais pas si je pourrais les plier en dessous, on verra. Mais il y a peut-être moyen de faire quelque chose de un peu correct. Ou alors j'ai mis sur le côté et glitché à l'intérieur, qui se replie en dessous en dépassant. Est-ce que lui là, quand il est rangé, est-ce que ça dépasse jusque là? Donc je peux dépasser un peu quand même là mon truc. C'est encore dans structure, je crois. Ça, c'est vraiment gros. Ça, c'est trop gros pour prendre celui-là. Il me l'accrochait tout à l'heure en bas. Il l'accroche plus là. Ah, mais il y a peut-être un sens où il l'a. Tout à l'heure, il me l'accrochait en bas. Pourquoi il le prend plus? Eh oh, tout à l'heure tu me le prenais en bas du pied là, pourquoi tu le veux plus? Ah, c'est ballot, tout à l'heure il me l'a accroché là. Pourquoi il fait ça? C'est vraiment quand il veut le machin là, il fait vraiment sa sauce là, il me fatigue.
me l'a repris. Eh ben on va le déplacer, on va bien voir ce que ça va donner. Tac, on décale ici. Ensuite on va le tourner cranté. Ok. Ensuite on va... Non. Le déplacer linéairement non cranté pour pas que ça glitch dans le sol comme ça là, que ça fasse pas un truc moche. Tac. Voilà, ça fait un truc propre. Ensuite, l'angle ici, on va le refermer au maximum. Zéro. Ah, et zéro, ça passe. J'ai peut-être un truc sympatoche, là, quand même, dans l'affaire. Je vais peut-être avoir un truc pas trop mal. Et ensuite, ça, on décale. Ah, est-ce que je... Non, il marche pas, j'ai dit... Ah, putain, ça fait loin, quand même. Est-ce que ça, on peut les glisser carrément dans la structure? Et le décaler même d'ailleurs vers la gauche un peu plus sans problème. Quitte à déplacer le patin d'ailleurs. C'est dommage, c'est que j'ai installé Twixcale mais il le prend pas pour la charnière Twixcale. Ce qui est un peu dommage parce que... avec Twixcale, ça m'aurait bien arrangé. Bon, je vais le recopier, lui. Je vais en mettre un copain à côté là-bas. Bon, de toute façon, je vais le poser en vrac, hein, pour pas trop s'emmerdouiller. Ensuite, on décale. Je suis pas mal aligné là, je trouve. Je pense que je suis pas si mal que ça. On est pas mal. Ah, ça dépasse pas, hein. Oh, à peine. Si, ça dépasse un peu quand même du truc, mais pas tant que ça. Pas tant que ça, pas tant que ça. Surtout que tu vois, si je les mets pas pliés entièrement dessous, il y a peut-être moyen de faire un petit peu autrement. On verra. Mais là, je pense qu'il y a moyen de faire un truc pas mal là. Parce qu'après, bon, je le déploie à 135 degrés. Hop, tac. Et là, on a un truc qui est pas trop dégueu quand même. Un truc qui commence à ressembler à quelque chose. Même si je suis
pas spécialement fan, mais on a quand même quelque chose de. On va essayer, on va aller l'essayer quand même un petit peu, voir ce que ça donne. Alors, donc déjà on déplie les moteurs. Hop. Commande des pales fonctionne. Parfait. On démarre les moteurs. On verrouille la caméra. On va vérifier la puissance électrique. Forcément, ah, une explosion. Ouais, mais je sais pourquoi une explosion là. Il y a un truc que j'ai absolument pas vérifié, c'est où était le centre de portance par rapport au. Et là, forcément, par rapport au centre de masse. Bon, déjà, on va mettre en position comme ça. Eh, pourtant je suis centré. Pourquoi il est parti en avant? Alors ça c'est quand même un truc de fou. Ah, il est bizarre. Ouais, mais j'ai peut-être merdé un truc dans les hélices aussi là. Faut que je. Mais non, normalement non. Normalement non. Je vois pas pourquoi il a fait ça. Là je vais ouvrir déjà déployer. Hein. Sens là. Ouais. Ah, il part complètement sur l'avant là. Il doit avoir un problème au niveau des pales. Hein, non. Il y en a un qui doit, il y en a une qui doit pas se lever dans le bon sens. C'est pas possible autrement. Pourtant, si, ils sont bien tous dans le bon sens. Hein. Ah, pourquoi il fait ça? C'est fou ça. L'affaire, il part en avant. Ouais, forcément, ça va mal se passer là. Je sais pas pourquoi il part en avant comme ça. Je ne comprends pas pourquoi il part en avant comme ça. Il n'y a pas de poids en avant en particulier. Les moteurs tournent bien dans le sens horaire, anti-horaire, horaire, anti-horaire. J'ai le centre de masse qui est aligné avec le centre de portance dans les deux axes. Il y a un chouïa sur l'arrière.
C'est quand même pas ça qui va me le déstabiliser, le bazar, quand même, là. Si j'y fouche pas un petit panneau solaire à la con, là. Ah non, d'ailleurs, c'est centre de masse. Si je fous une batterie. Putain, c'est assez ouf, la batterie ne décale même pas le centre de masse. Et bug là. Normalement, ça décalait le centre de masse quand on promenait des trucs. Ah, si, c'est qu'elle est trop légère en fait. Ouais, non, là je suis trop loin. Pourquoi ils vont pas mettre le centre de masse plus près que ça là, m'agace. On va remettre une batterie sur le côté ici. Là, il y a un mystère là, pourquoi il part en avant? Moi, je regarde mes pas d'hélice, s'il n'y en a pas un qui serait mal réglé peut-être. Il n'y a rien à faire, il part en avant comme un sauvage. Deux, arrête-moi les moteurs. Alors je vais essayer un truc. Ok, on redémarre les moteurs. What? Pourquoi il démarre plus? Hey oh, qu'est-ce que tu me fais là? Qu'est-ce que c'est que ce beans? Ah merde, j'ai verrouillé sur la pièce la plus haute, il n'aime pas ça. Ok, ça démarre. Et il part en avant. Hein.
Pourquoi il part en avant comme ça? Ben je vais arrêter là pour cette nuit parce que je commence à fatiguer là. Donc je vais vous dire bonne nuit pour l'unique spectateur qui est dans le coin a priori. Et puis je reprendrai ça un autre jour. Essayer de faire voler cet engin. Faut que ce soit petit, pour rentrer sous une coiffe, pliable. Et ça n'a pas l'air si simple que ça. Ça se trouve, il va falloir que je fasse une croix sur la partie pliable du truc parce que un peu compliqué, je crains. Mais bon, on verra. Allez, on va quitter le jeu. Parce que la fatigue commence à être bien présente. Ça fait 3h45 que je suis en live. Crevé. Donc, bonne nuit et à la prochaine.